Tom Clancy's Rainbow Six Siege is a game focusing on some of the most harrowing situations a country's military can be brought in to stop. Anytime a bomb or hostage situation requires the aid of a counter-terrorism unit, it's clear that no two situations are ever quite the same. The game's map pool features a variety. Oh là là, l'ancien Oregon, j'avais oublié les murs en briques. Bon, présentation de Rainbow Six, c'est vraiment un truc de ouf, machin. Ok, ça marche. Quand bien même ça a bien changé quand même Rainbow Six par rapport au début, il y avait quand même pas mal de maps qui étaient tirées de la vraie vie. Well, anywhere. Some of these maps are just meant to add gameplay content. Oh là là. J'avais oublié le bas de chalet. Attends, il y avait de la verti à l'époque ici. Oh là là, les recrues. It's not the case so much with newer maps, but many from initial release and some seasons afterward bear some striking resemblances. This is Rainbow Six Siege maps in real life. Ceci est la vidéo de Rainbow Six Siege, les maps dans la vraie vie. Really quick, this is a complete list of connected maps as of Operation Phantom Sight in June 2019. And not all information here is presented as... 2019 ? Putain, 2019, c'était déjà il y a 5 ans. Oi, 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 oi. Tu sais, je me dis, tiens, 2019, bah, c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a 5 ans déjà. Necessarily confirm a real world reference, there are lots of theories... Ouais, évidemment, étant donné que Ubisoft ne confirmeront pas le fait que ce soit inspiré de faits réels, ils ont pas du tout envie d'avoir des problèmes de Lego, hein. Ubi, comme d'habitude, ils prennent zéro risque. Ça va pas être comme du Ready or Not qui fait une école, donc voilà. Make more sense than others with an appropriate amount of research. I will specifically mention if a hypothesis seems more stretched or unbelievable than others do. When regarding the Siege map pool, it's worth looking at their connections to the real world in a few different ways. I've basically broken it into four tiers. Maps that don't connect to an actual location or event at all, basically acting as filler content. Ok, il a donc séparé les maps en différents tiers. Tier 1, il n'y a pas de connexion. C'est une map, elle est totalement sortie de la tête du level designer de chez Ubi. Tier 2, elle est sortie de la tête du designer de chez Ubi, mais c'est connecté avec un lieu quelque part dans le monde. Tier 3, il y a une connexion entre la map et un événement historique, enfin historique dans le sens où il y a eu un truc qui s'est passé là-bas. Et tier 4, c'est tier 3 plus tier 2. Il y a eu un truc qui s'est passé et le lieu a été complètement copié, quoi. Oregon, du coup. Ouais. Qui est-ce qui savait pas ça? Que Oregon était lié à un documentaire que vous pouvez choper sur Netflix, qui est pas trop mal d'ailleurs, qui est le siège de Waco, il me semble. Et je crois que c'est pas du tout dans l'Oregon. Et ouais, c'est une secte où les mecs, ils ont pété un câble et à un moment, ils ont envoyé tout le monde. Ils ont même envoyé, pas un Abrams, mais un Bradley. Genre vraiment, ça s'est mal passé. À la fin, il y a eu le feu et tout. Enfin bon, bref, il y a eu des morts, quoi. Actually based in the state of Oregon in the US. It's based on a siege taking place in Waco, Texas in 19... Ah, c'était au Texas du coup. Et donc on voit bien d'où ça a été inspiré. Mount Carmel Center, about 13 miles outside the city of Waco, that served as the headquarters. Et vraiment, je crois que c'était un Bradley qu'ils avaient amené, hein. An extreme religious cult of Seventh-day Adventists, known as the Branch Davidians. Their leader, David Koresh, believed that he was a prophet sent by God gueule, to help bring a... voilà. MacGyver. About the end of the world. Acting on suspicions of the group stockpiling illegal weapons, among several other charges. Ouais, donc du coup, il parlait du fait, bah, le documentaire, on peut le trouver assez facilement et en même temps sur YouTube, et qui explique donc du coup que ce leader, ce gourou du coup, croyait une espèce de vie éternelle, un truc comme ça, et donc du coup, la police est intervenue parce qu'ils avaient entendu parler, c'est ce qu'il est en train de dire, la possibilité qu'il puisse y avoir des armes et ou du trafic d'armes. Charges, the ATF and FBI would lay siege to the building in April 1993, lasting 51 days, killing 82 Davidians. 51 jours, ça a duré ce siège. Davidians, including Koresh, killing 82 Davidians, including... Ah oui, d'accord. J'avais pas vu le signe qui faisait le mec à côté. En tuant 82 civils, dont le gourou. Koresh, and burning the whole compound to the ground. Et just from the exterior pictures, it's clear that the map and the Mount Carmel Center are... Oh, les maps de nuit, quoi. Putain, la vache. Essentially the same building. The roof shape is a dead giveaway, as is the silo on site and the construction portion on the side, similar to the map's spawn point that leads into the basement. Oh putain, la vache, j'avais jamais fait gaffe. C'est vraiment le spawn pour le coup. Le silo, et c'est vraiment le spawn. T'as vraiment l'impression que tu vas dans le blue, là. Some of the interior rooms also match up with the wake. L'intérieur des rooms avant son rework, hein, ça c'était le grenier. Hein. Putain, la vache, vous vous en souvenez un peu? Most notably on the second floor. The armory room. Principalement au deuxième étage, et par exemple l'armurerie, ok, elle qui n'a pas bougé. Weapons, and the kid's bedroom references the fact that of the 82 Davidian deaths, 25 of them were children. Ok, et donc l'armurerie visiblement ressemble à l'une des pièces qui était dans le siège de Waco, et le fait qu'il y ait une chambre d'enfants rappelle qu'il y avait quand même sur les 82 civils morts, il y avait 25 enfants.
That's the game's closest representation of an actual siege on an actual location. The next tier is maps that are based on a real event, but not necessarily at the map's location. The first example of this is Consulate. The building is similar in architecture to the front. Alors ça, de mémoire, alors ils vont parler de à quoi ça ressemble, mais de mémoire, je pense que c'était l'intervention du SAS, c'était la prise de l'ambassade anglaise en Iran, non? Côte d'Ivoire. French Embassy in Alexandria, Egypt. But the... Alors ça, je savais pas. Le bâtiment, lui, ressemble à l'ambassade française, mais celle-là, du coup, consulat, la map, elle est à Abidjan, mais du coup, eux disent que elle ressemble à le consulat de France en Égypte. Hein. Map description places the consulate in Abidjan of Ivory Coast in West Africa. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, la map, le lore de la map de Rainbow Six, c'est l'ambassade de France à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais le real event, je pense qu'ils vont faire voir l'intervention qu'on trouve aussi sur Netflix d'ailleurs, le documentaire. Il me semble que c'est des Iraniens, un groupuscule iranien qui était intervenu dans l'ambassade. Je sais pas si c'était pas à Londres, hein. Soit dans l'ambassade iranienne à Londres ou soit dans l'ambassade anglaise en Iran, mais c'était le SAS qui était intervenu. The same as the location of the French embassy in Abidjan, football stadium, skyscraper and gas station. Also, if you don't think it's the French embassy, then the Eiffel Tower and the French flag and piano room would like a word with you. But here... Oui, mais là, pour le coup, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit une ambassade française, les drapeaux français, avant le rework, bien évidemment, mais aussi après, il y avait le drapeau français dans le truc, dans le col qu'on appelle les baguettes, en dessous. Et en règle générale, quand on rentre sur la plaque avant, là-bas, il y a une plaque en or avec marqué bureau des visas en français, donc... Here's the disconnect. There's never been a terrorist incident in a French embassy, but there has been one inside an Iranian one. Il n'y a jamais eu de problème dans une ambassade française à proprement parler, mais il y en a une dans une... Ouais, je l'ai vu ça. Dans une ambassade iranienne. The Iranian embassy siege in West London, England, in April 9. En Angleterre. Donc c'était ce que j'avais dit. Et là c'est incroyable. Cette scène est quand même assez incroyable, ça. Je l'avais vu, le documentaire. Embassy siege in West London, England, in April of 1980. Six members of the Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan got inside the building and held 26 people hostage, demanding the release of prisoners in Iran and their own safe passage out of the country. Donc ils étaient intervenus du coup, et le Front de Libération de l'Arabistan avait décidé de prendre en otage 26 personnels qui étaient dans l'ambassade iranienne en Angleterre. The British military intervened, attempting to secure the release of the British military. Les militaires britanniques sont intervenus, mais il me semble que c'est le SAS qui est intervenu. The Iranians used their leverage to have their demands broadcast on national television. If you want more information on this incident, the guys at the Infographics show have a fantastically detailed video describing the whole thing. Go check that out if you want more info. Ok, si vous voulez plus d'infos, il a donné donc du coup le nom d'un documentaire qu'on peut trouver assez facilement. L'assaut a été mené par le British Special Air Service, Special Air Service SAS. Into two teams and killing all but one of the hostage takers. Coincidentally, the assault was authorized by British Prime Minister Margaret Thatcher and was carried out under the code name Operation Nimrod. Alors ça, je connaissais pas, ce qui est quand même pas mal. Ouais, je sais pas si ça vient de là, mais effectivement, l'opération, c'était la Prime Minister qui avait décidé, donc Margaret Thatcher. Et le truc de l'opération Nimrod, alors ça, je connaissais absolument pas ça. Huh. Oh. One can speculate if the reason the consulate map wasn't the Iranian embassy is due to it being wedged in between two other institutions as a part of the same building. The French embassy looks much more photogenic, but it's still clear where that main inspiration came from. Ouais, voilà. L'une des raisons pour laquelle, à mon avis, ils n'ont pas pris donc du coup l'ambassade iranienne où il s'était passé quelque chose, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment photogénique en fait. C'est un bâtiment mitoyen. Alors que effectivement, l'ambassade en Égypte est vraiment très très photogénique et consulat est vraiment très photogénique comme map. On va pas se mentir. The other map in this tier is presidential plane. The map's interior decor looks... Ils vont parler de quoi, hein? Là, il y en a eu quelques-uns quand même. Ils vont parler de Marignane. Et là, donc du coup, on serait dans une logique où la location existe, l'avion existe. Mais ce n'est pas en Angleterre. Pourquoi c'est en Angleterre? Parce qu'il me semble que c'est Commonwealth machin qui est marqué là sur l'avion. Et il me semble que c'est à... C'est pas à Heathrow, mais il me semble... De toute façon, c'est marqué en anglais. Et puis, c'est la police anglaise. Hein. Il me semble que ça, c'est un aéroport en Angleterre. Mais ils vont peut-être parler de Marignane en 95. Marignane, ouais. British Commonwealth Royal Plane or fictional interpretation of the United States Air Force One. Visiblement, ils disent que c'est quand même une copie du Air Force One américain. The map description does put it on the runway of Heathrow Airport. Donc il le met bien à Heathrow, qui est un vrai aéroport à Londres. But like consulate, there's never been an incident on either one of these aircraft.
Donc, il n'y a jamais eu de toute façon de Commonwealth Royal Air Force. L'avion du Prime Minister anglais ou l'Air Force One n'a jamais eu de prise d'otage, quoi. Comes instead from Lufthansa Flight 181, ah, a Boeing 737 that was hijacked by Palestinian terrorists in 1977. Ouais, 1977, c'était en 1977 et ça avait été un avion de Lufthansa qui avait été hijacked par des Palestiniens. Named Landshut, the aircraft was initially hijacked while en route to Frankfurt, Germany, with 91 hostages on board. The Palestinians demanded that the plane be taken to Cyprus, but a lack of fuel forced it to land in Rome, Italy. Donc du coup, ils avaient demandé que l'avion atterrisse à Chypre, mais l'avion était atterri à Rome. This would be only the first stop in an insane journey that took Landshut and the hostages from Rome to Cyprus, Bahrain, Dubai, South Yemen, and finally Somalia. Wow! Donc du coup, quand bien même ils se seraient arrêtés à Rome ils ont dû refuel et au final ils ont fait tout ça avec l'avion. Et visiblement ça s'est arrêté en Somalie. En Somalie ils leur ont dit bon, ouais, c'est sympa mais bon vous avez qu'à prendre un billet. When it landed in Mogadishu, Somalia, a team of German GSG-9 operators carried out Operation Fire Magic, using ladders to get on the plane. Ok, tiens, c'est marrant ça. Je suis pas sûr d'en avoir déjà entendu parler. Et donc, c'est le GSG-9. Donc le GSG-9, c'est l'équivalent de notre GIGN. Bon, c'est IQ et tout, quoi. C'est l'équivalent du GIGN français. C'est le GSG-9, du coup, qui est intervenu. Et visiblement, en utilisant des échelles. Ce qui, effectivement, n'est pas le cas sur Marignane, où il n'y a pas eu d'échelle. Ils ont tapé à l'avant et à l'arrière avec les passerelles mobiles et les snipers, enfin un sniper pour tuer les mecs qui étaient rapatriés dans le cockpit. Effectivement, c'est vrai que le film L'Assaut là-dessus était quand même pas mal quand même. IQ c'est pas allemand? Si si, ben là c'est le GSG-9 allemand, c'est pour ça qu'ils mettent IQ d'ailleurs hein, ici, c'est bien IQ allemand, GSG-9, et c'est eux qui sont intervenus visiblement en Somalie pour ce truc là. Pourquoi? Bah c'est assez simple hein, c'est la Lufthansa, donc Lufthansa c'est Air France allemand. En Somalie je suis pas sûr qu'ils avaient un groupe d'intervention, à un moment ils ont dit bon écoute, vous commencez à nous casser les couilles. Ils ont dû prendre une grosse pression dans la gueule. Il faut les ramener les bonhommes parce que sinon ça s'arrêtera jamais. Et donc ils ont dû décider que la Somalie ce serait bon pour intervenir. Wings while under the cover of a diversionary fire, killing three of the terrorists and saving all but the pilot. Another theory about the origin. Ah du coup, et donc ils ont réussi à sauver toutes les personnes à bord. Donc 86 plus 5, moins 1, le pilote est mort apparemment. This map comes from the hijacking of Air France Flight 89. Ah ok. Je sais pas s'il y a des footage de cette intervention du GSG-9 en Somalie. J'avais jamais entendu parler de ça. Et donc ça on le connaît tous. Because it was rescued by operatives from the French GIGN. But the sheer size of the plane, 224 passengers as opposed to Landshut's 86, and the fact that the rescue operation didn't incorporate ladders attached to the wings, makes the Lufthansa flight the more plausible inspiration. Effectivement, donc du coup, il part du principe que même si on pourrait effectivement parler de Marignane et de ce qui s'était passé et de ce dont on était en train de parler, le fait qu'il y ait des échelles énormément et la taille du nombre de passagers fait que l'incident avec la Lufthansa colle plus que l'incident avec, je sais plus c'était qui, c'était le FLC Canal Historique, non qui était... Enfin, c'était algérien, je crois, à l'époque. Plus the Wikipedia page for that one mentions siege, so whatever. Et en plus, la page Wikipédia du coup de l'incident visiblement mentionne siege. Et donc, the rescue were portrayed in two German television, and Mogadiscio. Donc c'était bien Mogadiscio ou Mogadishu comme ils disent là-bas, qui est la capitale de la Somalie. En 2008, the Black Ops television, the 2015 video game Tom Clancy used Lufthansa along with the historical destruction operation. And as a reserve for making the game more accurate. Bah, faudrait savoir. J'aimerais bien avoir la note du 28 du coup. That one mentions siege. Comment ils l'ont... Oregon, consulate, and plane are the three maps that are tied to an actual historical counter-terrorism operation. The next tier of maps connect to an actual location that you can go out and... Donc du coup là on va passer juste à celles qui n'ont pas de lien avec un événement qui s'est passé, mais juste parce que en gros on Google Map l'endroit et en l'occurrence ces endroits existent sur la planète. Find somewhere on the planet. Bank is most closely tied to a Bank of America located in Washington DC, and while Bank of America de Washington DC, okay, effectivement. We can't actually get pictures of the bank's interior to compare. We can look at the similarities in the map's logo design, exterior architecture. Putain, je l'avais pas ça. J'avais jamais vu cette vidéo. Bah, effectivement, y a pas photo quoi. And this image taken from the outside of a chandelier, similar to that of the ones inside the map's main lobby.
Et c'est assez marrant parce qu'effectivement, il n'y a pas le droit de prendre des photos à l'intérieur de cette Bank of America. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir comparer, c'est ce qu'il explique. Mais qu'au final, il y a une ou deux photos et l'extérieur, clairement, et le chandelier, pourquoi pas. Tower is actually a combination of buildings with a unique Easter egg to confirm it. The Tower, du coup, ah oui, le Easter egg, c'est quand tu regardes très très loin, tu peux voir du coup l'une des tours de Séoul, je crois. Et donc Tower, c'est une combinaison de deux maps de mémoire. The building itself is called the Mok Mayok Tower, which is an old translated name of Nam San. The exterior is based on the... Donc du coup ça ressemble à Nam San et ils ont mis Nam San au final, ils ont mis réellement la vraie tour dont ils se sont inspirés, elle est là-bas quoi. Nam San Tower in Seoul, South Korea. À Séoul. Be seen outside of the North Attacker spawn if you look all the way in the back. Donc c'est assez drôle. The interior is not... Ils se sont inspirés d'une tour qui s'appelle Nam San à Séoul, ils l'ont placée en Easter egg, ça je l'avais déjà vu ça. Quand tu regardes Nam San Tower, but rather based on the Lot World Tower. Another major landmark in Seoul. It is also visible if you look from the south attacker spawn. Donc c'est clairement à Séoul. Clubhouse is based on a Hell's Angels biker club bar located in Hanover, Lower Saxony, Germany. Ça c'est bon, ça existe en Allemagne. GS9 were specifically involved in raiding a chapter leader's house in Germany in 2012 as a part of a crackdown. Ok, et du coup, hein, quand même, pourquoi il l'a pas mis dans le tier 3 du coup? Le GSG9 était quand même intervenu effectivement pour faire des investigations, donc des enquêtes dans les clubs de motorcycle, de moto, de type Hells Angels à Hanover. The operation targeted 80 propriétés, including brothels et des pubs. Donc l'opération a ciblé 80 propriétés. Donc il y a la police est intervenue dans des trucs des Hells Angels ou un peu à l'image de... comment elle s'appelle la série sur les Hells Angels mais américains quoi. Bon bah les gars ils suspectaient du trafic d'armes et du trafic et des trafics en tout genre quoi. Relate to the map in any way, though it does contain several references to the Sons of Anarchy TV series. Donc, putain, la vache, on le préchote à chaque fois. Donc du coup, alors l'inverse, donc du coup, effectivement, ça ressemble à l'un des clubs qui est à Hanovre, dans lequel il y a une opération de police, et qui est un club des Hells Angels en Allemagne. Je pense d'ailleurs que le lore de Bandit a été un peu inspiré de ça, là, où dans le lore de Bandit, il est un peu passé du côté obscur, Bandit, machin, truc. En revanche, du coup, étant donné qu'il y a eu une transition avec les Hells Angels, ils sont allés carrément chercher les informations, non pas en Allemagne et dans les faits réels, mais dans la série Sons of Anarchy, et ça, il le dit maintenant. Hereford Base is known as RAF Credenhill. C'est dommage de pas avoir mis la photo de Son of Anarchy pour le coup. Located in the village of Credenhill near Hereford in the United Kingdom. Alors ça c'est l'ancien Hereford. It was commissioned in 1940 to be a campus for military training schools and was shut down in 1994. While it's no longer present on the reworked version of... Donc effectivement, il parle de l'ancien Air Force et effectivement, ça avait été un truc qui avait été un centre d'entraînement de l'armée jusqu'en 1994 où il a été fermé, en sachant que historiquement, donc cette map qui n'existe plus parce que la version non reworked n'existe plus, donc cette map là qu'on voit, mais en sachant qu'historiquement, c'est la première map qui a été créée sur Rainbow Six aussi. C'est pas House la première map qui a été créée dans le jeu, c'est Air Force Base. Of the map that came with Operation Grim Sky, the original version features lots of training targets outside and the main building filled with lots of additional military exercise dummies. Bon, this is a reference to the real RAF Credenhill's Killing House, a building used to train soldiers in numerous counter-terrorism strikes. Ouais, bon voilà, il parle du fait que l'intérieur est soit inspiré du vrai centre d'entraînement, ce qu'on appelle les Kill House, entraînement à balles réelles pour le coup. Où à chaque fois tu peux configurer le truc, etc, machin, truc. Bon, ça se fait plus vraiment maintenant ce genre de truc là. Maintenant t'as carrément des modules qui te permettent justement de pas driller toujours dans les mêmes conditions, mais... Blunt's building is located in Ibiza in the Balearic Islands in Spain. Quoi? Attends, je savais pas ça. À Ibiza, du coup, il y a une villa qui ressemble à Coastline. The actual building does exist. Reddit users were able to track down its exact coordinates, though it's inaccessible to Google Maps behind a gate. Ok, et ça a été chopé de là, bien que tu ne puisses pas y accéder avec Google Maps. Du coup, comment est-ce qu'ils sont allés chercher les informations? The same white look and... Ouais, le petit préau là, l'atrium au milieu, après le fait que ce soit sur une espèce de presqu'île et tout. Ouais, effectivement, ouais, il y a des points communs, ouais, ça c'est sûr. Sûrement les soirées coke des patrons, ceux qui sont pas en grève, eux ils sont pas invités. Ah, on les voit bien. Ouais, franchement, bah, on va leur demander télétravail, c'est fini, ces fils de pute et tout. Franchement, ils foutent rien. Moi, ça fait 20 ans que je suis chez Rainbow, je suis chez Ubisoft, ok. Moi, j'en ai ras-le-bol des branleurs là et de leur télétravail, là, vas-y, refile. Ok, et j'en ai marre, ok. J'en ai marre. Eh hey, les gars, j'ai une super idée. On va faire un nouveau Assassin's Creed. Pardon. Eh, hey, le monteur, tu coupes ça. Non.
Quoi, attends, pourquoi la couleur de YouTube, elle est chelou? La couleur, elle est dégradée, ça fait pas ça normalement. Same white look and building structure are present even if only from a few blurry images. Favela is... Attends, mais... Ah, il y a des mecs qui se mettent bien. C'est un viewer du chat qui a ça ou pas? J'ai envie d'être son ami quand même. Favela is literally the entire city of Rio de Janeiro. Favela est clairement l'entière... La ville entière de Rio de Janeiro. Bon, c'est pas vrai, quel gros fils de pute. Là, regarde, tu vas bien. 80% de la ville, c'est pas que des favelas quand même. Moi, j'étais dans un hôtel juste là, à Ipanema. Là, il y a Ipanema qui est sur le côté, là, sur le Teco. Je suis resté un mois là-bas. C'était cool, franchement. Faisait des petits barbecues sur la plage et tout. Truc de ouf, hein. Les mecs, ils déconnent zéro. À un moment, t'es là, tu sais, t'es à se longer sur ton truc et tout. Les gens, ils ont des barbecues. Ils amènent des barbecues sur la plage et tout. Tac, tac, tac. À un moment, t'entends. Oh my God. Et à un moment, tu sais, j'étais en train de dormir comme ça. Sur le Teco et tout. Et j'entends. Mec, mais j'ouvre les yeux, un Black Hawk, genre là quoi, genre juste devant Watt et tout, avec le vieux M16, le mec comme As et tout, juste au-dessus de la plage, et il patrouille comme ça, tu sais. Genre véridique, hein, il patrouille comme As, en mode, il check ce qui se passe sur la plage et tout, tu fais waouh. Chez nous, tu sais, dans les Landes là, t'as des vieux bouffons là, avec leur palme et tout, et leur machin là. Et bip 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 bip, vous baignez pas là et tout, entre les drapeaux, y a des bains. La base, tu fermes du crack, il défonce, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même mentalité, quoi. So, Canal is based on a building located at the Blom & Voss shipyard in Hamburg, Germany. The map includes German flags and a room full of football paraphernalia, and also has a massive transport ship outside. Though the one present close to the actual building. Ah, mais ça a été changé pour le coup. C'est dommage, c'était joli quand même ce truc qui se cassait la gueule. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont changé. J'aimerais bien savoir quelle a été la raison de. En fait, je pense savoir. Ça prenait trop de polygones, je pense. C'était trop chargé. Non, vous pensez pas? C'était trop lourd. Parce que là, ils ont mis un sous-marin sur le Teco, tu sais, hop là, tu vois, c'est beaucoup moins chargé, non? The building isn't on fire. Lastly, Café Dostoyevsky is probably the most well-known connection in the game, ouais, as the map looks also nearly identical to an actual restaurant called Café Pushkin in Moscow, Russia. Ah, donc effectivement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Café Pushkin en Russie. We even have loads of interior pictures to compare, and it looks even more similar after the map's rework in Operation Phantom Sight. Ah, et donc ça ressemble encore plus. C'est marrant parce que c'est encore plus ressemblant avec le rework, ce qui souvent normalement le rework écarte un petit peu, éloigne la map de sa connexion avec le réel, quoi. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. These are all of the maps in Siege that correspond to anything in the real world. The last tier of maps are either 100% filler content, not connected to anything, or contain enough references to make very loose assumptions. Ok, donc c'est la fin en fait de la vidéo, parce que après ce ne sera que des vidéos pour bien qu'il y ait des petits liens, etc. machin, c'est trop mince pour pouvoir dire c'est ça. Alors ça, c'est marrant, ça ressemble à la porte du désert qu'on peut trouver en Tunisie ou à Merzouga. Fortress, skyscraper, outback and villa don't correspond to a real world counterpart. At least. Mais Outback, qu'on dirait trop une Oregon qui a été mis en Australie. T'sais. Not from any of the research I could find. There's an idea floating around that Chalet is physically inspired by the Villard Notre Dame in France, as the map description puts it in the French Alps. But one thread I dug up suggests its reason for being in the game is because of the botched FBI attack on Ruby Ridge in Idaho in 1992. I think you could make the argument. Et ah oui, d'accord. Alors, donc il y a un débat sur le fait que ce soit la location de chalet qui ressemble au chalet, la villa, machin, truc bidule. Et il y en a qui parlent de Ruby Ridge. Encore un documentaire qu'on peut trouver sur Netflix sur une intervention catastrophique du FBI, pour le coup, il me semble. Argument that Ubisoft linked these two together, but I don't see nearly as much evidence to support the idea as, for example, ouais. Oregon. Il considère qu'il n'y a pas assez de liens pour dire ça vient de là. Ouais, ça c'est vrai. Et donc du coup, ça on en avait déjà parlé par le passé. Yacht a changé de nom. À la base, ça s'appelait le Boréal. Et c'était chiant parce que c'était marrant, c'est un easter egg un peu. Quand t'attaques Yacht au cul du Yacht, la salle des moteurs, le call pour nous c'était Boréal. Parce qu'il fut un temps où on s'est demandé est-ce qu'elle va arriver en Pro League. Donc t'étais obligé d'anticiper la possibilité que ça puisse. Et donc tu te disais, ah putain, on avait travaillé et tout. Et on s'était dit, on va l'appeler Boréal. Ah non, c'est l'avant. Enfin bon, bref, le truc jaune là, avec une espèce de petit bateau qui s'abaisse là, machin là.
enfin vous voyez quoi. Et on l'avait appelé le col boréal, ce qui était assez marrant parce qu'après ils l'ont rename à Clark. Et il me semble que j'avais eu un mec de Ubisoft qui nous avait dit qu'il y avait eu des problèmes légaux parce que il y avait vraiment un bateau qui s'appelait le boréal et que les mecs leur avaient dit faut arrêter tout de suite quoi. C'est un navire de croisière le boréal, pas étonnant que la compagnie ait gueulé. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais, de savoir qu'il y a des terroristes et des antiterroristes sur un jeu qui sont en train de s'enculer sur un truc qui s'appelle le boréal, t'as pas vraiment envie d'y aller après quoi. Et visiblement du coup ça a l'air d'être un navire de croisière casse-glace au final. Hein, je savais pas ça. D'où le fait qu'au final, il y a un lien quand même. Hein. C'est pas tiers 1 là, c'est plutôt tiers 2 qu'il aurait pu le placer. But the name was changed after patch 2.3 to read Aklark instead. The ship on the map is far too small to actually be a Laboreal cruise ship, so one can only wonder why Ubisoft went with the name change after all. Bartlett University. Ah, et donc lui, il parle du fait qu'il y a eu un changement de nom. Ça ressemblait pas du tout au Boreal, puisque c'est pas du tout un bateau de croisière. Ce qui est dommage, parce que s'il l'avait fait un peu plus grand, yacht, en vrai, ça aurait pu être une belle map. Et moi, j'avais entendu dire que c'était un problème de licence. Ils ont copié un truc qui va dans la glace, etc. Machin et qui s'appelle Boréal quoi. Là c'était un peu trop abusé et on m'avait dit qu'il y avait eu des... Alors soit ils ont anticipé la possibilité qu'il puisse y avoir un problème, soit les mecs leur ont envoyé un cease and desist quoi en leur disant faut arrêter tout de suite. Merci juste Baptiste, c'est un monstre polaire. Ah alors Bartlett, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé de la map. Ah c'est vrai que ça ressemble, je savais pas. Ah ouais quand même, le parc, le machin, le truc. Donc ça c'est Harvard derrière. En plus ça la met au Massachusetts. That Ubisoft would bother making a reference to the Episcopal Divinity School with Harvard being just a couple blocks away. House claims to be located. Ok, bon, j'ai pas la ref là pour le coup, mais visiblement pour lui, y a pas vraiment de lien et c'est pas Harvard quoi. Located in Los Angeles, California, but the surrounding hills look more like a state in the United States Midwest, and the initial E3 2014 gameplay trailer identifies it as a Boston suburb. So I honestly don't know where the hell this thing is. Ok, et donc effectivement, sur la map House, qui avait été la première, qu'on s'en souvient, qui avait été présentée à l'E3 2014, 2013, 2015, 2014 peut-être. Donc la première fois qu'on avait vu Rainbow Six, qui ressemblera pas du tout au final à Rainbow Six, ça arrivait par hélicoptère, ça ressemblait à Ready or Not en vrai. Et donc du coup, à cette époque-là, la maison, il l'a placée à Boston. Et là, maintenant, elle est encore dans un autre endroit, et après, elle a encore changé d'endroit. Et il est vrai que l'endroit où il le situe, à savoir, il a dit quoi, Dallas, ne ressemble pas vraiment avec l'environnement de la map, pour la simple et bonne raison que ça ressemble plutôt au Midwest américain, quoi. Ça ressemble un peu au lac de Ozark. En vrai, ça ressemble plutôt à Annecy, tu vois. 14 gameplay trailer identifies it as a Boston suburb. Boston so suburb. I honestly don't know where the hell this thing is. Border really tries its hardest to look like the most generic Middle Eastern border control checkpoint you've ever seen. But popular theories suggest it either being Egyptian or Israeli. I personally don't think it's Israeli due to the noted lack of any Hebrew text on the signs. Effectivement, ça ressemble à une espèce de checkpoint qui se trouverait au Moyen-Orient. Il y a eu des personnes qui pensaient que c'était plutôt en Israël, d'autres qui pensaient plutôt que c'était en quoi, il a dit? Bon, en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas d'hébreu, on oublie la partie israélienne, quoi. This is all in Arabic. Donc c'est que de l'arabe. An APC outside that looks strikingly like an Egyptian BMR 600. Et là, l'APC qui est dehors, le véhicule ressemble quand même au véhicule utilisé par l'armée égyptienne. There's a lack of evidence to make me swing one way on the other on who it belongs to. Ouais, ça ressemble au rêve. Donc ce serait plutôt l'Égypte en fait pour Border, mais bon, une fois de plus, sans certitude. Putain, l'ancienne theme park quoi. Elle était jolie quand même, hein, cette map. Les maps étaient quand même retravaillées quand même. Hein. C'est dommage au final que t'aies toutes les maps soient pas compétitives. There's Meme Park. Theme park, sorry. It basically takes any abandoned amusement park you can think of seeing in Zombieland and plops it just off the Victoria Harbor in Kowloon, Hong Kong. You can actually see the mainland of Hong Kong all the way across the channel if you look out from this spot. Donc du coup, ils ont pris n'importe quel ancien theme park abandonné, enfin theme park, c'est les parcs d'amusement, et du coup, ça ressemble un peu effectivement au film Zombieland avec Woody Harrelson là. Effectivement, on voit Hong Kong derrière quoi. On all the way up on the roof. From a personal perspective, while I was happy to see that Ubisoft was inspired by actual terrorist situations to help the game feel more realistic, I'm disappointed by how many maps don't actually fit that mold. We only got three maps that are based on a siege, but they mentioned they were also inspired by a fourth, the Moscow Theater hostage crisis in 2002, that didn't make it into the game.
and I don't think it's cafe. I'm by no... Lui, il y a toujours cette contradiction au final. Il y a toujours ce combat dans les gens qui jouent à Rainbow Six, je pense, entre ceux qui ont voulu que ça devienne e-sport, un shooter, etc., et que ça vienne prendre de ce qui peut marcher dans les shooters, à savoir une sorte de Fortniteisation des jeux vidéo, les skins, les machins, les trucs. Même si c'est pas Fortnite qui a inventé ça, mais l'idée est là d'aller séduire une population un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont connu les anciens Rainbow Six, voire même le livre Rainbow Six, voire même les films et des trucs qui tournent autour de l'univers John Clark et Tom Clancy, ou les vieux Rainbow Six qui avaient rien à voir avec l'actuel, et qui, à mon avis, un peu comme moi, peuvent être déçus par le fait qu'il y ait si peu de maps qui connectent avec des événements de la vie réelle, quoi. Il aurait pu effectivement prendre l'attentat qui avait été perpétué dans un théâtre par les Tchétchènes, il me semble, en 2002 en Russie, et plein d'événements qui auraient pu exister, quoi. Mais je pense que c'est parce que Ubisoft sont dans une logique de on prend zéro risque, quoi, et qu'ils en ont jamais pris pour le coup, hein. Mais c'est vrai que quand on y pense, le jeu s'appelle quand même Rainbow Six Siege, le siège, et au final, il n'y a que réellement 2-3 maps qui correspondent à ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Polémique, quoi. Il est un peu déçu du fait de ne pas trouver plus de références au real world, donc au monde réel, quoi. Putain, l'ancienne house. In any case, it's still fascinating to me to research the incidents that inspired the maps, so I've included links to lots of material. Ok, bon, si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Forcément, c'est en anglais. La vidéo, elle était pas récente, mais c'est assez marrant de voir tout ça. C'est assez marrant toujours de revoir les anciennes maps en plus. Et il y avait pas mal de trucs que je connaissais pas, quoi. Je pense que Ibiza, je connaissais pas pour le coup. Waco et Oregon, on en avait tellement parlé à l'époque que si, bien évidemment, connaissais. Le truc de Boréal, je savais pour le coup. Bon, favela, c'est des favelas, donc effectivement, c'est vrai que ça ressemble à Rio de Janeiro et ou autre, comment dire. Il a parlé de Rio en disant ça ressemble à une photo de Rio, etc., mais il aurait quand même pu voir ce qu'on voyait sur favela, là où il y avait le feu d'artifice, il y a le Christ Rédempteur, hein, qu'on trouve que à Rio de Janeiro et à Cochabamba en Bolivie, exactement. Où il est plus grand d'ailleurs. C'est vraiment assez drôle de revoir ça quand même. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas mal, hein, franchement. Quelle est la map? Et dites-nous aussi en commentaire, hein, quelles sont les choses pour lesquelles vous avez appris quelque chose et quelles sont celles pour lesquelles vous saviez déjà au final. Ce serait intéressant de savoir.